Je m'appelle Yvan Pibarot, je suis manager de Truffaut Arcueil La Vache Noire. Je m'appelle Fabrice et je suis manager du magasin Truffaut de Villeparisis. J'ai suivi tout un cursus horticole qui m'a amené à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur, pépinière et entreprise de jardin. Je suis rentré chez Truffaut en tant que chef de rayon, puis j'ai progressé petit à petit. J'ai gravi les échelons pour devenir chef de groupe, manager en formation et actuellement manager d'un point de vente. J'ai suivi des études de philosophie qui se sont ensuite spécialisées dans la biologie appliquée aux sciences de la vie pour enfin finir donc grâce à l'Institut des ressources humaines chez Truffaut, donc avec une prise de responsabilité en tant que manager de magasin. Je crois que la qualité requise essentielle, c'est d'avoir la passion des hommes qui nous entourent. Il faut aimer le contact, aimer les échanges. Nous sommes au centre du dispositif. Notre mission est transversale et nous devons rayonner effectivement vers les uns et vers les autres. Donc je pense que c'est la qualité première, c'est cette volonté, cette envie d'aller vers et de porter un projet. C'est un métier qui est extrêmement lié à la relation humaine et on ne peut pas envisager une quelconque réussite si on n'a pas cette proximité avec les gens. Moi, j'aime à dire que je suis facilitateur. On définit un projet ensemble avec l'équipe d'encadrement. À moi de m'assurer qu'ils gardent le cap, que ce projet va être atteint, et à moi de m'assurer aussi que mes collaborateurs ont les moyens d'aller vers ce projet. Les valeurs que je revendique au sein de cette entreprise à taille humaine, c'est essentiellement le respect des personnes qui travaillent dans un cadre professionnel, une distribution spécialisée avec une grande honnêteté du discours et enfin cette facilité de pouvoir exprimer l'évolution des gens avec lesquels on travaille. C'est ce sentiment d'appartenir à une entreprise qui a un vrai passé, qui a une histoire avec des vraies valeurs, des valeurs de partage, des valeurs d'écoute, des valeurs d'échange où l'initiative est valorisée, des valeurs de tolérance aussi, on a le droit de se tromper. Notre métier, c'est la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire de recevoir des gens, des stagiaires, des apprentis, guider nos vendeurs, guider nos responsables. Et c'est tous les jours nouveau. Cette liberté d'agir au sein de l'entreprise, elle fait qu'il y a une vraie construction de soi. Je me vois bien faire les 20 années qui me restent encore chez Truffaut. Et l'idée, c'est pour moi de continuer à apporter ma pierre, continuer à partager. J'ai pu évoluer à la fois d'un point de vue purement individuel, mais aussi professionnel. Si j'ai un conseil à donner à une personne qui voudrait intégrer Truffaut, je voudrais lui dire qu'il faut être nourri d'une passion dévorante. Il faut aimer la distribution, il faut aimer les gens. C'est ce qui permet de comprendre la nature humaine. Quand on comprend la nature humaine, dans cette entreprise, on comprend le métier. N'attendez pas, lancez-vous. Truffaut est une entreprise qui vaut vraiment la peine d'être rejointe. Quoi qu'il en soit, l'état d'esprit est toujours le même, c'est-à-dire une véritable envie de se retrouver et d'apprécier ce métier.